Pour ceux qui passeraient par hasard sur la page Facebook Radar, qui ne s'inquiètent pas, ce n'est pas une émission Radar, c'est un test qu'on réalise avec Marc. Le nom est populaire, il enregistre près de 60%, chez les salariés près de 80%, chez les ouvriers dans l'encadré à la sortie des bureaux d'aujourd'hui, et puis enfin phénomène générationnel, les moins de 25 ans ont voté à 60%. La Constitution européenne, c'est aussi un phénomène à retenir ce soir. Gilles Leclerc, c'est une soirée dont on se souviendra. C'est un rejet sans appel de cette Constitution. C'est une addition, en tout cas, des noms ce soir. Et il faut rappeler, parce qu'on l'avait entendu pendant toute cette campagne, que les principaux partis du gouvernement, à savoir l'UMP, l'UDF, le Parti Socialiste, les Verts, avaient officiellement appelé à voter oui. C'est ce soir une défaite cinglante d'abord pour l'exécutif, et en particulier d'abord pour Jacques Chirac, qui avait été l'initiateur de ce référendum. Une mauvaise nouvelle également pour les deux principaux responsables des deux plus grands partis politiques français, à savoir Nicolas Sarkozy pour l'UMP et François Hollande pour le Parti Socialiste. C'est un choc d'avis ce soir, un choc pour l'Europe, mais aussi un choc pour la quasi-totalité des partis du gouvernement. Ambiance. Le gros avantage en plus, c'est que. Ouais. Bonjour à tous. Alors, il paraît que je suis dans le coin, je ne savais même pas, mais j'aime m'en apercevoir. Donc, je confirme, c'est bien moi derrière le manche. Voilà. Merci, Roger. C'est Happy Hour. Bon, il te dit de combien de temps là ? Eh ben 30 secondes. Dans 30 secondes, tu feras la coupure et on dira. Surtout à ceux qui nous regardent pas. Mais moi, je souhaite de joyeuses fêtes aux lutins qui sont abominablement exploités par le Père Noël. Que c'est dégueulasse, que ce type-là est vraiment un capitaliste fini. Bah, la mère Noël, elle n'a pas son mot à dire, hein, déjà. Il faut qu'elle ferme sa bouche. Voilà, les nains, ils sont réduits en esclavage. Alors les reines, je t'en parle même pas. Tu vois, donc non, c'est vraiment abominable. Les fêtes de Noël, s'il y a bien une personne à laquelle je ne souhaite pas un joyeux Noël, c'est au Père Noël. Voilà. Bon, eh bien, ça y est, moi, je pense qu'on a fait l'heure. Eh bien, vas-y, coupe-moi tout ça.